J'ai arrêté les études académiques l'année où je me suis rendu compte qu'en réalité, les diplômes académiques constituent un frein pour le développement. Lorsque je me suis rendu compte que les diplômes académiques étaient une source d'aveuglement de la jeunesse africaine. Alors, pour ceux-là qui viennent de me découvrir pour la toute première fois, je suis Moukadasou Mamman Boukari, je suis entrepreneur investisseur. Alors, je finissais ma licence en 2015 et comme tout jeune, après la licence, il fallait se chercher un peu du travail, un peu d'argent. Alors, je me suis lancé dans cette aventure et j'ai pu collecter quelques économies et je reviens donc en 2020 décrocher mon master dans le domaine des langues. Alors, il faut dire, entre-temps, voilà, j'ai passé le bac scientifique, j'ai passé le test de la médecine parce que c'était ça mon rêve. Sauf que en son temps, voilà, on sait comment, vous savez comment le système fonctionne. Il n'est pas forcément. J'ai passé le test pour être admis dans l'école de la médecine. Sauf que voilà, le système n'était pas forcément ceux-là qui méritait qu'il y allait, il fallait passer par des coulisses. Voilà, bref. Alors, je me suis retrouvé à continuer dans les langues. Donc, je suis entre-temps amoureux de la langue anglaise. Donc, j'ai eu ma licence dans ce domaine-là. Et je reviens en 2020 au décrocher mon master avec l'enthousiasme de pouvoir continuer et décrocher le doctorat. Voilà, c'est en fait ça le rêve d'un jeune Africain francophone surtout, avoir accumulé les diplômes. Sauf que dans la foulée, je me suis rendu compte qu'en réalité, que le diplôme était vraiment une source de sous-développement. Le diplôme était un frein, d'accord, pour l'émancipation de la jeunesse. Combien sont ceux-là qui laissent les opportunités passer sous leur nez comme ça et étant aveuglé par leur diplôme, laisse passer ses diplômes et du moins ses opportunités en pensant que eux ils sont au-delà de cela, qu'ils ne peuvent pas se retrouver en train de saisir ces genres d'opportunités au vu de leur diplôme. Sauf que ces jeunes restent au chômage. Donc aujourd'hui, plus vous avez le diplôme, plus vous avez la chance de chômer. Ça, c'est une vérité absolue. Et c'est ça le système francophone. Nous avons été éduqués, d'accord, dans un système conçu de telle enseigne que il y a une règle que vous devez suivre. Vous n'avez pas l'opportunité de réfléchir de vous-même. Les réflexions ne viennent pas de vous-même. Tout est conçu, c'est-à-dire il y a une directive qu'on vous impose et vous devez suivre cela. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des docteurs qui ne peuvent même pas produire ne serait-ce que de l'aiguille. Vous avez un docteur en médecine, tout ce qu'il sait faire, c'est de prescrire les médicaments. Il sait très bien, il peut vous donner les molécules qui composent ce médicament, mais lui-même, logiquement, alors lorsqu'on sait les différents éléments qui composent un produit, on devrait être en mesure de reproduire cela, ou du moins chercher à reproduire cela. Sauf que l'erreur qu'on ne se trompe pas, il y a ce qu'on appelle le secret de l'industrie. D'accord? Celui qui met son produit sur le marché ne va pas vous donner tous les détails qui entrent en jeu dans la production donc de ce produit. Excusez-moi la tautologie. Donc, avec le système académique francophone, le diplôme constitue un frein pour le développement. Alors, nous l'avons compris, après le master, je me suis donc orienté vers d'autres formations professionnelles qui fait aujourd'hui que je me suis lancé dans l'écologie à travers la valorisation des déchets et puis ainsi de suite. Nous développons aujourd'hui des projets dans ce sens-là. Donc, le but de mon message, c'est d'attirer l'attention des jeunes. Aujourd'hui, le diplôme n'est pas, du moins, un signe de réussite. Aujourd'hui, le diplôme n'est pas un signe de réussite, surtout dans un contexte francophone.
Vous allez remarquer que, voilà, c'est pourquoi jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avons toujours les mêmes pensées. On n'arrive pas. L'école fait que nous doutons de nous-mêmes. Nous n'ouvrons pas nos esprits. On ne doute pas. On ne nous apprend pas l'esprit critique. Vous avez des citations, lorsque vous avez par exemple des arguments, vous avez par exemple quelqu'un avec qui vous discutez, un intellectuel francophone, il vous cite des citations d'autres auteurs, des siècles, pour justifier son argument. Parce que, comme quoi, ses pensées sont absolues. Comme quoi, lorsqu'on parle de Thalès, vous avez toujours les formules qu'on apprend des formules à l'école qu'on apprend toujours aux élèves, les formules de Pythagore, de Thalès, les pensées et consorts. Mais jamais les pensées, les idées ne viennent pas de nous. Alors que l'école était censée, d'accord, faire de nous des personnes qui réfléchissent, des personnes qui apportent des analyses critiques, des personnes qui apportent des idées critiques. Parce que pour découvrir, pour inventer, il faut douter de ce que l'on voit. Il ne faut pas croire absolument à ce qu'on nous dit. Il ne faut pas croire à ce que l'on perçoit. Nous devons apprendre, d'accord, à développer l'esprit critique, à douter de ce que l'on nous dit. Et c'est à partir de ce moment-là, nous pouvons faire des découvertes, nous pouvons faire des inventions, nous pouvons sortir, d'accord, des idées qui viennent proprement de nous, de notre foi intérieure. Sauf que le système français est fait de telle enseigne que on vous apprend, le modèle est conçu et vous suivez. C'est-à-dire, c'est comme vous foncez droit au mur. Le modèle est conçu comme ça. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela et montrer que, ou du moins, orienter notre système éducatif, d'accord, revoir les programmes de notre système éducatif actuel. Si tant est que nous allons continuer avec ce même programme, avec les mêmes programmes, avec le même système, nous n'allons pas atteindre le développement que nous avons tant souhaité. Alors, c'était mon analyse à moi. Laissez-moi, pardon, vos commentaires par rapport aujourd'hui au système éducatif. Comment vous percevez cela et quelles sont les propositions que vous faites afin que notre système éducatif puisse changer, surtout dans le système et dans nos pays francophones, afin qu'un jour nous puissions parler de développement, afin qu'un jour nous puissions faire ressortir le talent que nos ancêtres avaient, qui aujourd'hui, malheureusement, la colonisation et tout le système mis en place a fait que tout cela est passé aux oubliettes. Alors, d'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt.